Bonjour, chers amis de Forum, Foyer de Renaissance, Unité, Mobilisation, chers amis de Haïti Vivra, plateforme ça qui vient pour être capable de porter pour nous un encadrement socio-économique. Nous remercions de ce qu'on accompagne nous dans des démarches ça. Pour que le peuple soit capable de sentir qu'il n'y a pas pour compter encore, mais là, dans le pays, là, parmi le peuple, il y a soutien, il y a un encadrement que le besoin. Ah oui, moi, je viens devant nous aujourd'hui, nous sommes capables de demander nous ensemble pour nous aller joindre l'Éternel avec moi. Parce que moi-même, dans toute jeune âge, pendant que j'ai grandi, après que j'ai 15 ans, toute adolescence là, jusqu'à ce que je vive là, 20 ans, j'ai eu un psaume que j'ai fait un cadeau, qui était une bénédiction. Comme nous le rappelons, le psaume, ça veut dire chant dans le judaïsme, ça veut dire parmi les juifs, avant Christ est venu, chaque fois que j'ai fini d'écrire, on entendait au chef des chants. Si vous mettez le maître à maestro, pour maestro capable de montrer mon Dieu chant, et puis pour capable à chanter à l'honneur et à la gloire de Dieu. Donc ça, on va partager avec nous là, c'est un chant qu'on a chanté à l'église de Jérusalem. Mais tout l'église premier siècle, avec Matthieu, Marc, Luc, Jean, Pierre, etc., c'était ça. Yo te kon chante. Pas de kogen kantik sa ou ke nou genyen, jo di ya. Men se te som yo yo te kon chante. Donc, mwen men mando, men se nou bagen muzik la, men nou gade som nan, nan on espri kom si la, son chan, parolon chan, ke nan repete devan l'Eternel. Nou son diyo di nou, priye, chante se priye de fwa. Chanter, c'est prier deux fois. D'un côté, avec musique là, où on peut lever l'Éternel, lever le nom, on peut avoir parfum sous lui. Et avec parole, on fait l'autre travail encore. Donc voilà, nous partis, psaume ça, c'est psaume 123 que nous offrons à nous-mêmes. Il était tellement fait bien. Moi, que dans le moment, ça a un capable de baoul. Mais je peux vous prendre avec toute affection que moi j'ai pour lire. Mémoriser. Je ne parle pas besoin d'ouvrir la Bible pour être capable de dissoudre ça. Parce que les vins venus font partie de moi-même. Je dis en baoul, apprenez tout. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici. Comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris, notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Aie pitié de nous, Éternel. Aie pitié de nous. D'ailleurs, apprenez avec moi. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Amen. Donc, le regard de Noël qui est en bagarre, longtemps on a parlé du système communiste, là et comme ça. Côté que le monde va gagner, liberté ou, pour que c'est vous-même qui planifiez, vie familiale ou, et tout le monde qui est en dedans, on ne connaissait pas pour comment on planifie pour
madame nan konnen se mari li men rol mari a mari a konnen men rol madame nan e fami nan konnen yo son ti royom yon ti pep e pi on yo gen pou mete gouvernement yo an plas e suiv gouvernement ki etabli pou fami nan. An ben nan te vini yon kote la nan preske santi jan ba la te vini nan sistem komunist nan pa yo pa permèt ou planifye kon sa men planifye pou ou men ma fè qui ration pour gagner la quantité manger pour le bar ou par jour pour famille là au fin compte tête pour mon bien la famille là et veut dire important mais quand vous tenez la banque vous saisissez li vous dites bon mon bagage encore pour vous même c'est payer pour gagner comme là donc on est un gouvernement tout prendre la main les midi mettez au service du pays mais tout le monde pas capable encore à gérer affaire personnelle ou encore. On dirait tout bagaille vini bagaille collectif, tout bagaille vini on yon pour tout, tout pour yon. Nous vini songe yon yon missionnaire que me dégain qui était en pile Milbert Norbeck dans jeune âge moins dès l'âge de 16 ans de rencontre missionnaire ça était à travail moins apprendre anglais, apprendre la Bible, un professeur de moins. Et puis les rapports racontent que les gens étaient rencontrés en chinois à bord d'un avion qui est venu aux États-Unis. Et puis ils ont babralé un petit presse pour imprimer. Et puis ils dit monsieur, quand vous faites la bagaille ça, monsieur dit, son gros âme qui n'amène là, un gros âme, comme vous l'avez dit, monsieur dit, avec ça, je vais faire les États-Unis tourner un pays communiste. Hein? Donc, en plus, le monde, tu as raconté sur vos armes, sur une série de bagailles pour venir à armes nucléaires, bombes atomiques, bah, comme ça, armes atomiques, c'est pas ça. Et même, tu te connais, bagailles idéologiques là, tu étais plus puissant que toutes les autres armes que le monde est capable de faire. Et, on va faire une idée que les gens, l'éducation que nous recevons en Haïti, qui gens les rivés mettez nous dans chaîne les rivés mettez nous chita côté nous chita là et c'est là nous chita ensemble des intellectuels n'a pas ensemble y en a avec l'autre pour nous dire mais ça me découvre mais ça a été enseigné mais laisse nous regarder nous mais nous gagne pile bagage pour nous désapprendre un pile bagage pour nous arrêter dans nous enfin pour nous arriver vraiment pour nous et liberté que Jean-Jacques Dessalines connaît débat nous depuis 1804. Au dernier moment, nous avons conférence et puis on a parlé de on a dit des livres pour faire ici libre pour faire le bord. Moi, je me suis dit la parole, mais non. Pas quitter mon a tombé nous. Nous avons besoin de chercher liberté, nous. Nous pas libres qu'on est là. Nous pas libres. Depuis Dessalines, dit nous sommes libres, mais oui, nous sommes libres. Pendant que nous étions là, les amis étaient là, les Français n'ont pas venu sur nous, mais sur le plan politique, nous étions libres. Bien que ça n'a pas duré, parce que depuis sur le plan intellectuel, sur le plan social, ou pas libre, on ben bon, on pas capable de dire qu'il y a une liberté sur rien là. Ben là, on va non seulement, on va dire dit la bouche, mais il n'y a pas existé. Donc, comme ça, nous sentons que en pile le monde yo pas connait dans quelle situation de trouver là parce que yo pas connait que toute bagarre là di commencer avec cœur et penseau mon qui veut gain cœur une jeune fille connaît ça très bien en même moment la va prendre penseau tout là les comme ça c'est en fonction de lui même où va penser et après ça pour avoir corps ou une poule tout on va rien demander pour pas bali mais ça privé nous. Il n'y a pas pris nous encore avec corps, nous avons pris nous en Afrique, nous avons ici. Il y a pris nous avec cœur, nous avons une telle affection pour notre culture, culture de notre pays. Wow! Nous sommes capables de français bien. Wow! Mes amis, si nous avons parlé plusieurs langues, oh, on a adoré, mais même pour moi, parce que c'est important qu'on est là, mais extraordinaire. Mais, langue pas nous, nous pas besoin même apprendre à écrire, nous pas besoin apprendre à parler, nous pas besoin. Donc, ce côté ça sorti dans ça, vous avez appris nous,
ou méprisable, et puis si on méprise tout ça pour vous, pas une valeur. Mais je dis, nous pas esclaves, nous libres, entre guillemets. Est-ce que nous allons montrer que nous dignes de liberté, ça que nous gagnons, nous gérons le bien, nous montrer au monde que vraiment, le monde qui est bon, nous liberté, il n'y a pas de faire erreur, parce que nous gérons les. Nous prenons l'héritage à cœur et nous bien servir avec lui. Pour ça, comme ça, nous n'avons personne qui est capable de livrer si ce n'est pas Christ qui est bon liberté. Et donc, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Donc, si nous n'avons pas une vérité à nous, nous n'avons pas qu'à la dent. Quand la vérité est sortie, Satan est le père du mensonge. Depuis la chute, mensonge, corruption. C'est ça nous joint. L'homme pensé, l'homme vient perverti. Et puis c'est malhonnête qui imbibe tout être nous. Et puis nous pas capables de gagner un bien qui sortit de nous-mêmes. Mais la crise vient, il vient faire mauvaise nature, transformer, changer. Et il vient faire que nous sommes capables de gagner un bon bagage sorti de nous. Il y a un bon pied bois, Jésus dit, bah, un bon fruit. Il y a un mauvais bois, il y a un mauvais fruit. Donc ça, bon Dieu vient faire, par Jésus-Christ, de venir bonifier la race humaine, rendre bon, rendre pur, rendre juste, rendre saint. Et c'est ça qui vient permettre qu'à partir de moment ça, tout ça nous vient gagner. On est en même temps avant, je te fais non pas bon, mais tout le bagage qui pour nous, qui identifie là nous-mêmes, tout, même là avec nous, nous n'est pas bon. Mais c'est même genre, je dis, si bon Dieu vient aider nous, remet le bien et fait nous capables de pratiquer le bien, nous allons voir tout ça autour de nous bien, bien. Et nous venons, mon cher, nous consacrer le bonheur, nous allons vraiment heureux parce que tout le bagage vient bien. Mais quand ça sortit, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Jusqu'à ce que tu aies pitié de moi, je me fixe sur vous. Jusqu'à ce que tu aies pitié de moi. Aie pitié de moi, Éternel, aie pitié de moi. Je suis assez rassasié des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Je viens devant nous, mes amis, ensemble, en nous croyant que la vérité, cette vedette, peut nous rendre libres. Et en fait, nous rend libres. Christ veut nous rendre la liberté. Nous voulons saisir, en nous voyant si nous sommes capables. Défait ça pour moi. Ah oui. Principe sur moi. Allah Kaïwa fait. Que le Seigneur bénisse. Amen.